My mission, find the father I never knew. My mission, find a hero I've never met. He hasn't radioed in days. He hasn't been seen since the outbreak. The last time I heard his voice, the last place he was seen, was in Trumbull Valley. Valley. I've only heard whispers, I've only heard legend. Of unseen horrors. Here, we are the many. Here, we can become stronger. For so long, I was just surviving. Now, people are counting on me. This is where my story could end. This is where my story could begin. I thought we had seen everything. We ain't seen nothing yet. Et salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc pour la quatrième vidéo sur State of Decay 2 autre édition euh, remasterisée. On retrouve ce coup-ci le deuxième mode de jeu. On a vu le mode campagne, on retrouve le mode earthland Et comme vous avez pu le voir dans le trailer, on retrouve donc deux couples de personnages ce coup-ci qui ont chacun deux scénarios différents. Alors, dans ce mode, vous retournerez à Trumble Valley qui est le site du premier opus, du numéro 1. Où vous retrouverez les villes de Spencer Mill et Marshall, qui sont désormais envahies par la peste sanglante, comme vous avez pu le voir dans le trailer. La peste sanglante, c'est ce que vous avez vu. Ces trucs horribles, voilà, c'est ça. Vous pourrez incarner l'un de ces deux duos Quincy, ancienne détenue, que vous avez pu voir et que vous pourrez voir ici. Donc vous avez Quincy en bas, avec euh, en bas à droite. Euh, Quincy, ancien détenu et membre du réseau qui fait équipe avec Elena afin de retrouver, qui elle et les flics, hein, afin de retrouver une vieille amie de leur patron, Lily Gritter. Quincy est spécialisé, lui, dans la forge d'armes au niveau de son métier. Euh, Lily, sachant qu'on l'a dans le premier épisode, c'est celle qui nous donne des ordres par radio euh, non-stop tout, tout au long du jeu et euh, qui est un des, des personnages les plus importants dans le 1. Ou alors vous allez jouer avec le duo qui est en haut à gauche, c'est Laris, que vous pouvez voir au premier plan avec le blouson vert. Qui est la fille disparue du criminel Mickey Wickelson, qui est accompagnée de sa tante Fiona, qui recherche son père qu'elle n'a jamais connu. Et elle est spécialisée, elle, dans le découpage de véhicules. Euh... Donc, ça, ce, ce mode-là a un rapport avec le 1, puisqu'on retrouve grâce à Quincy euh, des halluc des Allusions à au 1 grâce au fait qui parle beaucoup de Lini euh, qui nous dirigeait dans le, dans le numéro 1. Tout aussi bien avec Laris en haut à gauche qui est à la recherche de son père qui n'est autre que Mickey Wickel, Wickerson. Vous savez, les Wickerson c'était ceux qui n'étaient pas du tout sympas dans le 1, hein, les deux frères là, euh, voilà. Donc il euh, y a quand même beaucoup d'allusions au 1 dans ce mode là de jeu. Et comme vous avez pu voir dans le, dans le trailer, euh, c'est un DLC normalement, mais si vous prenez euh, State of Decay euh, Juggernaut Edition remasterisé, vous avez tous les DLC inclus. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il parle de DLC dans le trailer, euh, mais là vous l'avez qui est compris dans le jeu hein, directement. Donc euh, si vous choisissez donc le premier duo de Quincy, votre scénario de jeu sera à la recherche de Santos avec des missions qui sont propres à Quincy euh, ainsi qu'à euh, Elena les deux personnages en bas à droite, il y aura des missions propres à ce scénario-là. Par contre, si vous choisissez Laris et sa tante, vous lancerez le scénario, la dernière des Wick Wickerson, qui aura lui aussi ses propres missions et son propre scénario. Donc, c'est pour ça qu'il y avait écrit dans le trailer qu'il y a deux scénarios dans celui-là. Donc, soit vous jouerez avec Quincy et Fiona, soit vous jouerez avec Laris et sa tante. Vous choisirez le, le scénario que vous souhaitez, puis vous pourrez tester même les deux. Euh, quel que soit le scénario que vous choisirez, votre base sera exactement la même. Euh, votre lieu de domicile sur la carte de, sera à de Trumbull Valley et s'appellera Juric Junction. Je vais vous montrer la base tout de suite. Là, voilà. Voilà la base euh, que vous aurez automatiquement... Excusez-moi, je m'étouffe. Que vous aurez automatiquement... Quel que soit le scénario que vous choisissez, vous allez euh, débuter votre partie et vous devrez euh, rejoindre cette base et cette base que vous aurez tout au long de votre jeu, euh, de votre scénario, puisqu'il y aura bien sûr une fin, c'est un scénario, c'est une histoire, il y a une fin et euh, vous aurez des objectifs à remplir, des missions à faire bien particulières à chaque scénario, comme je vous le disais, mais quel que soit le scénario. Que vous choisirez, vous allez atterrir à cette base jurassique, euh, due évidemment à ce qu'on peut voir à l'écran, au gros dinosaure. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Jurassic Park, mais en tout cas, voilà. Donc, vous aurez cette immense base dès le départ. Elle sera la même pour les deux scénarios. Elle est située à Trumbull Valley. Dans une énorme... Et elle est vraiment, vraiment, mais vraiment énorme. Et euh, vous devrez bien sûr ben, la remettre en état dès le départ, la faire évoluer bien sûr au fil de votre jeu avec différentes améliorations. En fonction des matériaux que vous aurez trouvés euh, et en fonction de ce que vous aurez dé développer, puisque euh, dans chaque euh, emplacement disponible, il y a plusieurs positions, soit euh, po possibilités. Je veux dire, vous aurez la, la possibilité, par exemple, de mettre une salle de sport plutôt qu'un salon de, pour qu'ils se détendent, euh, un stand de tir pour qu'ils s'entraînent au tir plutôt qu'autre chose. Enfin là, c'est vous qui gérez euh, et qui vous, vous verrez ce que vous voulez mettre. Il euh, y a certaines choses qui seront à détruire qui ne pourront pas être réparés quand vous allez la récupérer il faudra d'abord évidemment la euh, nettoyer des zombies qui en ont pris possession et une fois ça la revendiquer et évidemment après tout par de là et tout le jeu se, se fait euh, au niveau euh, de cette base de l'histoire des scénarios et des personnages bien entendu euh, vous devrez bien sûr affronter euh, les ordres de zombies et les pestiférés que vous avez vus, hein, vous avez vu ils sont sympas, hein, mais c'est pareil. Hein, dans le mode de campagne, quand je vous parlais des zombies pestiférés, ben on les a pas trop vus dans le trailer, mais là dans celui-là, on les voit très bien et c'est tout à fait ça. Hein, euh, le jeu, c'est ça. C'est les hordes comme ça de, de zombies pestiférés, beaucoup plus que les zombies normaux, on dira, qu'on trouvait dans le 1 qui, était, qui sont à côté euh, des bisounours, quoi. Donc vous aurez autant des zombies lambda, hein, comme dans le 1. Vous aurez euh, ben, des, mastodon des mastodontes, des boursouflés, des sauvages, des screamers. Et croyez-moi, vos nerfs vont être mis à dure épreuve dans, dans ces deux scénarios. Euh, sachant que le point culminant de la campagne euh, de ce jeu, c'est-à-dire le, le, le point de l'histoire, est le gantelet. Euh, C'est un énorme défi. Euh, qui va vous être lancé, qui vous demandera non seulement d'avoir les compétences montées, mais aussi d'avoir de la stratégie, de l'endurance pour arriver à bout du scénario. Donc euh, ça a un début, ça a une fin, c'est une histoire comme un film, c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui allez réussir à la fin ou pas. Euh, je ne vous spoil pas, je ne suis pas là pour ça, il y a assez de vidéos sur YouTube euh, et, de, et de gameplay euh, qui vous montrent les choses. Moi, ce n'est pas mon but, je n'aime pas être spoil, je n'aime pas vous spoil. Donc, oui, il y a une début, il y a une fin, vous aurez un gros défi qui s'appelle le Gantelet. Allez-vous le réussir ou pas Ça, c'est vous qui allez le voir. Ce mode Earthland vous offre des personnages jouables et non jouables, hein, comme dans les autres modes et comme dans, les, dans le 1 aussi. Des missions uniques à chaque scénario, mais. Elles sont uniques, mais elles se recoupent, c'est-à-dire qu'elles ont des relations les unes avec les autres, quand même. Que vous jouiez Larissa ou que vous jouiez Quincy, euh, ce ne sont pas les mêmes missions, mais elles ont des points communs. Voilà, ça que ça veut dire quand j'entends par elles se recoupent. De nouvelles installations pour la base, unique à ce mode-là, vous aurez des, des, dans la base des, euh, des choses à construire que vous n'avez pas dans les autres, mob, dans les autres modes. Je vais y arriver, il commence à se faire tard. Euh, dans les autres modes, vous aurez des, des, des nouvelles constructions à faire dans la base. Donc euh, là aussi, c'est vous qui verrez ce que vous voulez privilégier à construire dans votre base. Et croyez-moi, il y a de la place, on va le voir. Je vais vous montrer la base, euh, l'intérieur, enfin du moins le, le plan de la base. Vous allez voir qu'elle est immense. Et franchement, euh, quand j'y suis arrivée, moi... Avant d'arriver, euh, quand on débute à, à se familiariser avec la base, je peux vous assurer qu'on cherche euh, 50 fois, mais euh, où oh, j'ai mis ça, où oh, j'ai mis ça, où oh, j'ai mis ça. Elle est immense et c'est la plus grande base du jeu euh, de toute façon. Euh, même les, grosses, les plus grosses bases euh, dans le mode campagne ne sont pas aussi grandes que cette base-là. Et euh, autant elle est plaisante, autant euh, on s'y perd très vite. Faut, on, on perd vite son latin, euh, croyez-moi, euh, on, on cherche par moment, surtout qu'il y a des entrées un petit peu partout. Il y a des, des comme dans les dans le mode campagne, il y a des attaques de zombies par moment. Euh, donc on, si vous êtes en mission, on vous dit de rentrer qu'il va y avoir une attaque. Euh, donc euh, je peux vous dire que avec toutes les portes qu'il y a euh, autour, euh, bah, il rentre un petit peu pas partout. Il euh, faut penser à fermer les portes derrière soi, enfin, c'est un vrai bazar, mais c'est une base magnifique et euh, on peut faire énormément de trucs dedans euh, et, des, des, et construire des choses vraiment super sympas, mais qui, est, qui sont uniques, je vous le répète, à, à ce mode de jeu-là, au mode de jeu Earthland. Euh, vous aurez aussi des indices à trouver dans le jeu euh, pour vous aider. Des indices à trouver qui vous débloqueront des succès ou via des missions euh, sur l'univers de State of Decay. Euh, donc euh, ne jetez pas tout, hein, euh, vous allez trouver des petites notes, des petites choses comme ça, un petit peu comme dans le 1, euh, qui vont vous permettre ben, de mieux comprendre l'histoire de State of Decay, euh, sur comment ça a commencé, sur pourquoi on en est là aujourd'hui par rapport au 1. Enfin euh, bref, tout ça, des petits mots, peut-être des anciens personnages, je vous dis pas tout, vous verrez par vous-même, mais euh, je voilà, euh, c'est l'histoire les histoires autant l'une que l'autre sont, sont, sont vraiment intéressantes. Vous aurez trois types de pestiférés inédits euh, qui ne sont pas dans les autres modes et qui sont ici euh, bah, qui sont pas pestiférés d'un côté mais qui le sont de l'autre côté. Donc euh, attention à ça et de nouveaux succès bien sûr à développer. Et pour finir, on va regarder, parce que bon, il n'y a pas 50 millions de choses à dire là-dessus, puisque les personnages, il n'y a, y a, a que deux couples. Euh, pareil, hein, leur métier, euh, fait, vous pouvez le faire monter, vous, pouvez, euh, euh, vous pourrez recruter aussi euh, d'autres survivants, hein, comme dans l'autre dans, dans mode. Euh, vous pourrez leur apprendre des métiers, etc. etc. ça, ce pas un problème, et leur améliorer le leur. Euh, ce qui vous débloquera des choses, vous pourrez encore plus construire de choses, démonter ce que vous aviez fait avant pour mettre des améliorations euh, un petit peu mieux euh, que vous n'aviez pas avant, puisque vous le débloquez, euh, comme je vous avais expliqué dans le mode campagne, vous les débloquez en montant les métiers. Donc, euh, ben, euh, comme Quincy, la forge, vous ne l'avez pas hein, dans, dans campagne, donc euh, c'est intéressant de, de, de l'utiliser, surtout vu ce qu'elle apporte, mais ça. Je ne vous dirai rien de ce côté-là, puisque là, il n'y a pas vraiment de surprise, ce sera vous qui, qui découvrirez les choses petit à petit. Et euh, au niveau de, de la risque qui découpe les véhicules, vous verrez à quoi ça sert. Et euh, on va passer sur la, la, le plan de la base. Et vous allez voir que c'est vraiment euh, immense. C'est ce que je vous avais montré dans le 2 pour vous parler des avant-postes. Mais voilà quoi. Donc euh, vous avez euh, tous ces emplacements, trois avant-postes dès le début du jeu ça va monter jusqu'à 6 elle est vraiment vraiment immense donc au début vous bah, voyez vous allez récupérer votre base avec euh, euh, des choses qui sont déjà installées comme un poste à essence, comme des lits euh, comme euh, je sais pas une distillerie, c'est un endroit euh, pour faire de la chimie euh, une tente médicale vous voyez la cuisine est cassée donc dès, dès le début ce qu'il faut faire c'est réparer euh, ce que vous avez de cassé et vous aurez des, des, des choses qui ne sont pas réparables. Peut-être, ça vous le dira à ce moment-là, vous les détruisez. Et dans les emplacements vides, vous aurez différents choix. Ça, c'est des petits emplacements. Donc, vous cliquerez dessus, vous verrez ce qu'on vous propose. Euh, donc, évidemment, euh, là, euh, l'infirmerie, elle y est déjà. C'est une tente médicale. Donc, lisez bien. Là, c'est en anglais. Euh, mais lisez bien le descriptif. N'oubliez pas de level up euh, vos vos différents euh, euh, emplacements, hein, vous pouvez les augmenter en niveau, ce qui débloque encore des possibilités. Il faudra réparer la ferme et le jardin qui sont ici. Euh, réparer votre cuisine. Réparer ici, c'est un, une grande tour de guet. Il euh, y en a deux, je crois. Vous pourrez en rajouter. Vous avez trois grands emplacements. Quatre emplacements pour mettre quatre voitures différentes. Vous avez déjà des lits qui sont mis. Un poste à essence qui va vous donner de l'essence, ce qui est déjà pas mal. Vous avez euh, le centre de commandement, la tour de guet. Là, le, vous avez le... Euh, le stock, le stockage, donc vous pourrez l'améliorer aussi. Ici, vous avez la possibilité de faire des bombes, etc., ce que vous n'aviez pas avant. Euh, l'atelier euh, qui est à réparer et ici la cuisine euh, qui est à réparer mais là la photo quand elle a été prise ça a été fait donc là il a un point d'exclamation c'est à dire qu'il peut le level up et vous avez effectivement pour, au début trois emplacements pour pouvoir faire des avant postes donc à vous de choisir si vous voulez mettre un de nourriture un de euh, au début un de nourriture un de munitions et un par exemple de médicaments toujours pareil le médicament gros problème. Et après, petit à petit, il euh, ben, faudra mettre l'eau, euh, prendre un avant-poste d'eau euh, pour que la base soit alimentée par l'eau, puisque vous allez mettre des euh, améliorations que vous trouverez en, en lootant euh, sur les avant-postes. Vous allez trouver une antenne que vous allez mettre dans le centre de commandement euh, qui va débloquer certaines possibilités. Euh, et il y a des avant-postes ben, qui vont vous apporter des choses. Par exemple, l'avantage de cette base, c'est que vous n'aurez pas à mettre un avant-poste d'une station essence, par exemple, puisque vous l'avez déjà qui est incorporé à votre base. Ce qui lui manque, c'est de l'eau. Vous avez des dessins en dessous, donc un avant-poste d'eau après quand vous aurez débloqué, d'autres avant-postes, un avant-poste d'eau pour avoir l'eau courante dans votre base tout le temps. Et évidemment l'électricité, puisqu'au début vous allez faire avec des générateurs, et comme je vous avais expliqué dans, dans le mode campagne, le générateur ça fait du bruit, euh, donc ça attire les zombies, et croyez-moi que là-dedans, vous avez vu le trailer, ils sont pas petits, il n'y en a pas 3-4, mais ils sont très nombreux et ils sont très dangereux. Et quand vous subissez les attaques, ça fait mal. Voilà, donc là c'est vous qui verrez, vous cliquez, vous aurez plusieurs options selon, selon le nombre ici de ressources que vous possédez. Donc euh, voilà. Donc si par contre euh, vous êtes deux, trois, euh, etc. Euh, le petit conseil, la petite astuce euh, qu'on a trouvé nous et qui est pas plus mal qu'autre chose, c'est que si vous avez plusieurs véhicules garés devant euh, votre base et que par exemple vous avez déjà un haut stock de nourriture, euh, si vous veniez à vous allez explorer, vous revenez avec, de, vous allez trouver des sacs de nourriture, hein, vous les prenez, vous n'allez pas les laisser, vous n'allez pas dire oh j'en ai assez à la base, non parce que ça part vite. Euh, ben ce que vous faites, si, si c'est vraiment plein et que vous posez un sac là et que ça vous dit, euh, vous êtes sûr que vous voulez le poser, mais bon, trop tard, vous n'avez pas le choix, vous devrez le poser parce que le stock est plein. Soit vous aurez la possibilité de level up votre stockage et euh, d'augmenter la capacité de storage des médicaments et de la nourriture, soit euh, de level up plutôt euh, le storage pour avoir rentré à l'intérieur beaucoup plus de. Euh, d'autres matières premières comme les munitions, les, euh, les matériaux ou l'essence. Euh, donc ça c'est vous qui choisirez euh, comment vous voulez le level up. Mais la petite astuce c'est que si un véhicule... Euh, euh, bon je peux vous le dire, des débuts vous allez avoir un véhicule complètement pourri. Euh, ben vous le mettez sur deux côtés, ne hein, le garez pas sur une place de parking puisque c'est là que vous pourrez réparer vos véhicules à condition qu'ils soient garés sur la place de parking. Donc mettez-le dans un coin là et vous stockez dedans euh, par exemple les sacs de nourriture euh, que vous avez de trop, euh, je sais pas, les munitions que vous avez en trop et au fur et à mesure que vous avez besoin, eh ben, hop, vous le prenez dans le coffre de la voiture qui sert à rien ou qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui est foutu et, et vous, les, vous les basculez ici dans le stockage comme ça au moins vous tombez jamais en panne voilà ben, on a fait le tour c'est beaucoup moins long effectivement que le mode campagne hein, puisqu'il n'y a pas 70 millions comme je vous le disais de coupe de personnages je vous le dis franchement les deux scénarios sont très bien j'ai testé les deux ils sont très bien tous les deux euh, c'est très compliqué les missions sont très compliquées. Je ne vous parle même pas du but que vous avez, euh, ni du défi que les devs vous lancent dans ce mode-là. C'est très chaud, 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 chaud. Mais c'est ça aussi euh, le fait que ce jeu est intéressant. Donc euh, ben voilà, j'ai fait le tour du mode euh, Earthland. Je vous ai tout dit de ce côté-là. Vous avez vu les personnages, vous avez vu la photo de la base, vous avez vu le trailer, vous avez vu euh, l'intérieur de la base que vous avez encore à l'écran. Donc euh, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, ben je compte sur vous en commentaire. Si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, si ça vous a pas plu, un petit pouce en bas. Euh, je répondrai de toute façon si vous mettez des commentaires, je répondrai euh, à vos commentaires sans aucun problème. Et l'autre petite chose que je voulais vous préciser, quand je vous parlais dans la vidéo euh, de, puisqu'on a la, la, la possibilité de, de, de voir l'image, quand je vous disais dans, que vous pouvez les personnaliser au niveau habit, vous pouvez le faire aussi ici. Il suffit d'aller dans l'onglet, euh, je ne peux pas le cliquer puisque c'est une image, mais communauté. Euh, vous aurez les personnages qui vont s'afficher, et là, euh, vous aurez des onglets avec différents nombres de tenues. Testez-les, regardez, euh, et vous verrez comment vous voulez habiller vos personnages, si vous voulez les laisser avec les habits qu'ils ont. Sachez toutefois que les vêtements que vous leur mettez, ce n'est pas des armures. Hein, ça ne vous donne pas des points de protection contre les zombies, pas du tout. Euh, ce qui joue, c'est plutôt regarder au niveau des armes, et après, ben, les métiers, les monter, euh, choisir la branche que vous souhaitez. Etc., et accueillir de nouveaux survivants euh, et puis faire en sorte que tout tourne bien pour éviter qu'il y ait des esclandres dans votre base. Voilà, donc on se retrouve euh, pour la, je ne sais plus, ce sera la cinquième vidéo ou la, oui, la cinquième vidéo. Euh, ce sera sur le mode je, euh, qui est euh, le mode de, que je ne dise pas de bêtises. Ça y est, je l'ai perdu dans mes papiers. J'en ai tellement euh, le mode des breaks hein, qui sera la quatrième vidéo exactement. Qui est un mode complètement différent. C'est ce que je vous avais dit au tout début, euh, complètement différent et inédit parce que dans le 1, on l'avait pas du tout donc. Euh, on se retrouvera pour la présentation de ce mode qui va être très rapide aussi. Et là, et là après, on fera la dernière vidéo où là, euh, bah, je ferai une conclusion sur tout ce que vous avez vu. Je vous donnerai mon avis sur ce que j'ai trouvé de bien et ce que j'ai trouvé de pas bien euh, par rapport au 1 euh, et par rapport à ce jeu, simplement. Euh, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce que j'aurais préféré qu'il soit amélioré. Mon avis personnel, en fait, euh, sur ce State of Decay. Euh, Jugarnote euh, euh, édition remasterisée, euh, sortie le 13 mars 2020, voilà, sur ce je vous fais plein de bibi, plein de zouzou, on se retrouve très vite pour la quatrième vidéo qui sera sur le mode des breaks euh, et puis après, ben, on se retrouvera pour la toute dernière vidéo de la playlist mon avis, bon allez, plein de bibi, plein de zouzou, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube, vous pouvez me retrouver en live sur, sur Twitch et euh... N'hésitez pas à mettre des pouces en haut, des pouces en bas, à lâcher vos commentaires, à donner vos impressions, à donner vos idées. Si vous y jouez, des astuces aussi, ça peut servir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur State of Decay ou un prochain live. Bye bye.